Et action. Je travaille à Ludre, donc entreprise adaptée de Ludre, en tant qu'agent de production. Je suis assistante administrative. Je travaille au service comptabilité, donc à la PF 3 et Concept. Je suis représentante du conseil de la vie sociale en tant que président. Donc je suis pôle industrie en partie. Après, je fais entretien des bâtiments et maintenance des machines automatisées qu'il y a ici pour couper les câbles. En fait, on a un handicap parce que la société a dit qu'on avait un handicap, mais nous, en tant qu'être humain, ben, on est une personne lambda. On a des sentiments, on a des capacités, on a des envies, des motivations. Donc en fait, ben, dans le milieu professionnel, c'est pareil. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent être concernés par ces problématiques du handicap, qui n'êtes pas forcément au courant déjà, que vous pouvez faire reconnaître votre handicap. C'est une démarche qui est intéressante. Il ne faut pas avoir peur du handicap. La société évolue dans tous les sens. Il y a plein de problématiques qu'on aborde actuellement, que ce soit des problématiques de genre, de handicap, des problématiques familiales par rapport au rapport à l'égalité homme-femme. Donc ça va dans le sens de la société, donc interrogez-vous. Si vous avez un handicap, faites-le savoir, faites-le valoir. Il faut sortir, il faut chercher un boulot, il faut parler avec les gens, il faut vivre, c'est ça ce que je veux dire.